tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, on est le 22 je crois. Je suis même pas sûre, je vais vous dire ça. C'est ça, le 22 février et c'est notre premier jour de vacances, c'est trop bien. Yes. Ouais. Là les enfants sont en train de débarrasser la table du petit-déj puisqu'on va s'en aller chez Anaïs qui va leur couper les cheveux. Moi je suis en train de mettre mon vlog en ligne. Qui normalement aurait dû être monté hier soir et que je n'ai monté que ce matin. Sauf qu'en fait, j'arrive pas à avoir la photo. Donc il faut que j'attende un petit peu. On n'est pas hyper en avance. Il y a un bordel autour de moi. C'est une catastrophe. On est en retard même. Ouais, on est un peu en retard même. J'avais dit à Anaïs qu'on partirait de la maison à 10h. Il est 11h et on n'est toujours pas parti. On s'en va. Là, on est sur le départ. On va partir. Enfin, il n'est pas tout à fait 11h. Là, il est moins 5. Mais... À 11h, on partira. Mais enfin, si YouTube se décide à valider. C'est pénible, c'est tellement long. Donc on va faire ça, on va faire couper les cheveux des enfants et tant pis, on va manger tard, mais sur le retour, on va s'arrêter chez Kiabi parce que Com n'a plus de chaussettes et n'a plus de robe de chambre. Et en ce moment, il porte sa robe de chambre, donc il est vrai en tout cas. En portée. Elsa, en fait, elle a une armoire qui est pleine, mais elle en met que la moitié. Donc il y a un moment, moi quand il n'y a pas besoin, j'achète pas. Hein. Bon alors, ça y est, on a les photos, je vais prendre la moins pire. Les gars, calmez-vous. Mettez vos manteaux. Ah, vous les avez déjà. Bon, bah, parfait. En fait, il n'y a que moi qui ne suis pas prête, en fait. Donc, c'est bon. Je valide. Allez, hop. Hop. Ça va aller ? Je valide tout ça. Et puis, on y va. Et du coup, je vais vous les montrer, les gars, que vous voyez la différence, en fait, à l'avant, après. Donc, je vais vous montrer. J'ai attendu d'être dehors, parce qu'on voit mieux. Les coupes de cheveux, les gars. Alors, Marceau. C'est super long, ça remonte sur les oreilles, tourne la tête, tourne ta tête, ça remonte sur les oreilles et tout, c'est génial. Adam, bah c'est un peu la même, hein. Coupe de pouilloute et je crois que le pire c'est ma petite beauté. Le Playmobil. Ouais, c'est un peu ça là, pour le coup c'est une coupe de Playmobil. Puis bah Elsa, elle, voilà, on va rafraîchir un peu. Donc c'est parti, on y va. Bon, je vous reprends, il est 15h05, on vient tout juste de rentrer. Donc, en fait, on est allé effectivement se faire coiffer chez Anaïs, sauf que déjà, on n'était pas en avance. En plus, Anaïs, elle blablate, elle blablate, elle blablate, et donc du coup, elle avance pas. Donc après, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, donc en squat, qu'elle discute, ça me pose pas de problème, et qu'on y passe 3 heures, ça me pose pas de problème non plus. Mais c'est juste que du coup, par rapport à l'heure du déjeuner, c'était un peu chaud, quoi. Donc, en fait, elle a coupé les cheveux de Com, elle a coupé les cheveux d'Adam. Elle a coupé les cheveux de Com et de Marceau. Et du coup, après, moi, je suis partie chercher du McDo parce que clairement, je voyais pas d'autres options pour éviter la course, en fait. Donc, c'est bien, le rééquilibrage alimentaire, il démarre fort. Donc, du coup, ouais, c'était sport. Donc, on est passé quand même chez Kiabi. Alors, on n'a pas trouvé la robe de chambre pour Com, mais à la fois, je me dis, c'est pas très grave parce qu'il a quand même son pilou-pilou qui lui sert de robe de chambre. Par contre, du coup, j'ai repris des chaussettes pour tout le monde. Donc, pour Com, pour Adam, pour Marceau et pour Elsa. Ouais. Et Elsa s'est trouvé un pantalon. C'est un legging, en fait. Vous savez, c'est les jeans un peu... un legging en matière jean, quoi. En gros, c'est ça. Non, celle-là, c'est pas les tiennes, c'est celle de Adam. C'est celle-là, les tiennes. Ah oui, bah, j'ai pris ce qu'il y avait, hein, Marceau. Il est déçu parce qu'il n'y a pas d'animaux sur les siennes, alors que Com et Adam, ils ont des animaux. Ils ont fait des belles boucles. Oui, alors Elsa s'est coupée les cheveux, comme vous pouvez le constater. Elle a un carré long maintenant. Venez montrer vos coupes de cheveux, viens montrer comme t'es beau maintenant. Ça change, hein, franchement, ça change. T'es beau, souris un peu. Quoi? Caca. Non, ça te fait pas rire? Bon, ça marche pas toujours. On est à l'âge de raison, nous. Et lui, ça le change. Ouais, Adam? Mister Playmobil est dans la place. Adam? Non, t'es plus un Playmobil. Il est où, Adam? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne fais plus partie de la toilette. On vous montrera plus tard, hein. Je pensais qu'il était parti dans la chambre, c'est pour ça que je l'appelais. Donc là, il est du coup à peine 15h10, donc je vais faire du ménage. Au final, j'aurais pas travaillé aujourd'hui, je vais quand même regarder mes mails parce que j'attendais un devis.
Et puis, bah, du coup, j'appellerai. Oh, je pourrais même pas appeler ma patronne demain matin parce que je vais chez le coiffeur demain matin. Ça y est, c'est demain que je change de tête. Parce que Anaïs devait me le faire samedi. Finalement, samedi, elle pouvait pas, donc elle m'a proposé demain matin. Donc demain matin, je deviens rousse. Rousse? Ouais. Elle va me faire cuivrer. Des mèches cuivrées. Mais non. Bah, en même temps, j'ai une peau de rousse. Hein. Oh, mon petit chat, je t'ai fait mal. Mais si on a une taupe morte dans notre jardin. Ouais. Qui c'est qui l'a tué? Pernelle. Ouais. Pernelle a tué une taupe, je suis dégoûtée. Meurtre. Ça me fait trop de peine parce que. Mais oui, mais là. Vous avez trouvé ça débile, mais je trouve ça trop mignon, une taupe. Mais oui, c'est mignon. Mais oui, c'est là, elle est. Voilà, sur le dos, les patineurs. Ça peut On voit bien que. Elle a été attaquée sur le ventre. Donc bon, je suis surprise, je vous cache pas, de voir une taupe dans mon jardin parce que j'ai jamais vu de trou de taupe en fait. Mais après, elle a peut-être été la tuée ailleurs et puis elle l'a ramenée ici, je sais pas. Mais en tout cas, parce que les taupes à la base, ça fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ouais. Pour ces raisons-là, j'aime pas avoir un chat. C'est... Non, c'est pas à cause de Pernelle qu'elle était morte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ouais, attends. Elle chasse. Non, parce que non, là, elle est pas en train de chasser. Ça lui fait coucou. Elle m'a tiré la tête. Donc ouais, là, je vais faire un peu de rangement ménage. Et puis après, on va prendre un goûter léger. Et puis oui, t'as raison. Et puis faut que j'ai du linge aussi à faire. J'ai lancé une lessive tout à l'heure. Faut que j'aille la mettre à sécher et j'en ai une dans le sèche-linge que je dois plier. Je pense que Adam va faire quelques lignes, parce qu'il a été exécrable chez Kiabi. Exécrablement exécrable. Ouais. Ils sont excités. Mais tellement excités. Ah non. Enfin, un peu quand même. Hein. Ouais, un peu quand même. Par contre, ça fait bizarre, là, Anaïs, elle t'avait mis de la cire pour faire tes cheveux. Mais ils sont tellement raides tes cheveux que ça tient pas avec la cire. Bah non, bah, c'est pour ça que ça tient pas. Si tu fais ça, c'est pas prévu pour, hein. Mais j'ai rien fait, mais ils sont mis tout seuls. Mes cheveux sont pas habitués à ça. Voilà, c'est mieux comme habitué. Ça. Habitués. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Il est beau, non? Non. Si tu grandis, t'as une tête d'ado. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais aussi, normalement. Toi aussi, t'avais de la cire, normalement, mais... Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est parti, hein. Ah, bah voilà. Caca. Lui aussi, il s'est coupé les cheveux. Alors lui, il a pas eu de cire, j'ai pas compris pourquoi, parce que Adam, il a une mature de cheveux qui boucle, en fait. Et du coup, on a vachement de facilité à le coiffer sur le devant. Alors que Com et Marceau, ils ont des cheveux raides de chez raides. Comme moi, en fait. Enfin, ouais. Quoique. Moi, j'avais les cheveux raides comme ça quand j'étais jeune. Maintenant, voilà, mes cheveux, là, ils sont lissés et ils sont même pas raides. Donc, ils ont une tendance à onduler bizarrement, mes cheveux. Ouais, ils sont trop jolis. Ouais, c'est ça. Bon, bah, demain, je serai rousse, en tout cas. Ils sont trop jolis. Bon, je crois qu'on va faire un petit câlin, là, parce qu'il y a de la demande. Et puis après, je fais mon ménage et ensuite, j'ai bossé quand même un petit peu parce que... Bon, les amis, je vous reprends, il est 21h, alors il y a un petit pchit de fond, parce qu'Elsa est en train de me rendre service, elle est en train de passer le balai vapeur, c'est gentil. Je viens de finir de passer l'aspi, parce qu'on a rangé un petit peu. Mais je voulais partager quelque chose avec vous, en fait. Là, on a fini de manger, hein. Comme il est 21h, je vais aller mettre les enfants au lit bientôt. Mais en fait, je n'étais pas allée au courrier aujourd'hui, alors que j'attendais un colis. Et bah, je suis allée à la boîte aux lettres à 20h30 et j'ai reçu mon colis, donc je suis très contente. J'en ai parlé le mois dernier sur Instagram, mais j'en avais pas parlé dans les vlogs. En fait, j'ai réceptionné une box à laquelle je me suis abonnée. Ce n'est absolument pas un partenariat, il n'y a aucun... Ah, c'est toi qui payes? Ah oui, c'est moi qui paye. C'est moi, je me suis achetée pour me faire plaisir en fait, parce que... je vais peut-être m'asseoir, ça va être plus simple parce qu'elle a besoin du sol. Je me recadre. Non. Du coup, ouais, je disais, j'en avais parlé sur Instagram, mais pas ici. En fait, je me suis fait le petit plaisir de m'abonner à un compte Instagram qui s'appelle Jolie Bibi et son Mini. Alors, c'est pas juste un compte Instagram, c'est une petite entreprise qui fournit des box maman et bébé. Alors, vous allez me dire, bah attends, toi, t'as pas de bébé. Eh bien, justement, je vais vous prouver que c'est pas seulement pour les bébés. Et c'est aussi ça qui m'a plu dans la box. Donc, la box, elle se présente comme ça. Je trouve la boîte magnifique. Tous les mois, c'est la même boîte. Et si vous regardez bien, j'ai rangé
celles que j'ai eues le mois dernier en bas de mon buffet et je trouve que ça fait trop joli. Donc je vais les garder parce que comme j'ai pour projet en plus de réorganiser les armoires en fait dans la méthode Pont-Marie, en fait la méthode Marie Kondo, c'est du pliage très organisé, etc. Et c'est bien quand il y a des petites boîtes. Et justement, je pense que pour mon armoire ou celle d'Elsa, je récupérerai ces boîtes-là. À voir, il n'y a encore rien de décidé. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Le mois dernier, j'avais eu 3 sachets de thé. J'avais eu un protège carnet de santé, une bouillotte sèche en forme de coquillage, mais hyper douce, ouais. Une curry. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Une crème pour les mains, une crème bio pour les mains, un jeu de memory en bois que Marceau adore. Et il y avait aussi une carte. Il y a tous les mois en fait, il y a une petite carte qui représente le mois et celle de du mois dernier était très jolie. Des plaies maïs. Oui, non mais alors les plaies maïs voilà. C'est juste pour le conditionnement de la poutre. Ouais. Donc je vous montre. Alors la petite carte ce mois-ci c'est celle-ci avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Trop joli. Je me dis que je vais les collectionner en fait tellement elles sont jolies. Va chercher celle qui est sur le meuble à chaussures là, c'est ouais. Celle du mois dernier. Je l'ai trouvée sublime celle du mois dernier. J'adore. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Déjà vous voyez c'est emballé avec du papier de soie, avec un beau petit autocollant en fonction du mois, donc qui est en lien avec la carte. Donc ça c'est la carte du mois dernier. Et je la trouve trop mignonne. J'ai très envie de la mettre en cadre pour l'accrocher autour du lit de Marceau, même si voilà, il partage sa chambre avec ses frères et c'est vrai que ça fait quand même très jeune. Mais en tout cas, ce que j'adore, c'est qu'il y a des fleurs jusque dans le fond de la boîte, quoi. C'est vraiment trop trop beau. Alors là, il y a une odeur de pomme qui est assez. Ça prend un peu le nez parce que comme c'est enfermé dans la boîte, forcément l'odeur se diffuse beaucoup. Mais je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est trop bien. Alors, on commence par un petit doudou. C'est pas de la feutrine. Je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est une matière qui est super douce. Marceau, dès qu'il l'a eu dans la main, il voulait plus le quitter. Donc, c'est vraiment trop, trop joli. Allez, si tu le prends à l'envers, en fait, je te présente rien. En fait, c'est... voilà. Je pense que c'est une oie parce que tout est sur le thème de l'oie. Et franchement, c'est très, très mignon. Ben, je sais pas, mais la carte, elle est sur le thème de l'oie. Ah, mais c'est un signe. Non, c'est pas un signe. C'est une oie. C'est même marqué sur la carte que c'est une oie. Ah bon? C'est un signe. Donc, un petit doudou qui est vraiment doudou. Ensuite, franchement, cette box, c'est vraiment l'occasion pour moi de vous montrer que c'est vraiment pas que pour les bébés. Et en l'occurrence, quand vous commandez quand vous prenez votre abonnement, on vous demande en fait l'âge de votre enfant. Donc c'est vrai qu'en général, je pense que vous mettez toujours l'âge du dernier, j'imagine. Et franchement, mais là pour le coup, moi j'avais mis l'âge de Marceau. Donc c'est vrai que Marceau, c'est plus un bébé. Il a 5 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, j'espère que je serai pas déçue quand je recevrai mes box, que ce soit pas des choses qu'on puisse pas utiliser parce que justement, on n'a plus de bébé, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai reçu le petit doudou. Alors ça, effectivement, c'est plus pour les bébés, mais pour le coup, Marceau est conquis par le doudou. Donc le mois dernier, c'est Elsa qui a eu la bouillotte sèche, parce que comme moi, j'en avais déjà une, du coup, je lui ai donné. Ce mois-ci, c'est Marceau qui va prendre le doudou. Doudou, merci. J'ai eu une huile démaquillante. Donc ça, c'est pour moi, n'est-ce pas? Avec une petite lingette. Trop mignon. Donc ça, je suis contente parce que du coup, c'est vraiment un truc pour maman, quoi. Alors là, c'est mon coup de cœur. Je vous le dis, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert la box. Je l'ai ouvert tout de suite parce que moi, j'ai mes clés. Et dessus, je n'ai pas de porte-clés. Les enfants m'en ont fait plusieurs. À chaque fois, ils ont cassé. Et là, j'ai celui-ci. Et franchement, c'est une pure beauté. C'est écrit, voilà, je vous le mets devant moi, comme ça vous allez voir, c'est écrit bonheur. C'est un petit cœur en plexi, en fait. Et c'est gravé bonheur dessus. Et c'est juste, moi je le trouve sublime. Franchement, je le trouve sublime. Après, on a une petite brochette de bonbons, comme d'habitude, les enfants sont contents. On a cette fameuse suspension de bonne odeur. Donc, c'est marqué tendresse dessus. Et en fait, je vais l'accrocher, je vais vous montrer, à la poignée de la porte pour que l'odeur reste
en fait, dans la maison. Déjà parce que ça fait joli aussi. Voilà. Elle est accrochée là. Ça fait joli et en plus, ça va sentir bon toute la journée. Donc, c'est super. Et le dernier, et non pas les moindres, petit cadeau dans la box, c'est cette décoration. Non, c'est pas si petit, mais franchement, c'est magnifique. C'est ça. Je le trouve aussi sublime. Je ne sais pas encore où je vais l'accrocher, parce que vraiment, je trouve qu'il mérite, qu'on réfléchisse à la place qu'on va lui donner, en fait. Tellement il est beau. Dans ma chambre. Non, je pense pas. Je me disais peut-être au-dessus de la table de chevet ou je sais pas, mais pour l'instant j'ai pas encore trop décidé. Après c'est vrai que j'ai pas encore meublé le petit coin là-bas, enfin meublé, décoré je dirais, le petit coin de mur là-bas. Et j'envisageais de mettre des choses justement ovales, parce que là j'ai mis des carrés, rondes, ovales et peut-être en forme de losange. Je vais voir si c'est ce que je vais faire ou pas, mais ça je pourrais essayer de le mélanger avec peut-être des miroirs, des cadres, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve ça très 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 joli. Je vous le remontre parce que vraiment, c'est magnifique. Et ouais, il y a un petit oui, en plus je vous ai pas montré. Vous pouvez du coup avec le petit autocollant l'accrocher où vous voulez en fait, donc c'est super beau. C'est super. Je suis vraiment vraiment vraiment. T'as vu les deux cartes? Oui. Mais ça c'est celle du mois dernier et là il y a la celle de ce mois-ci. En fait, dedans à chaque fois dans la box, vous avez une petite carte avec. En ce mois de Saint-Valentin, Jolie Bibi et son Mimi vous plongent dans un univers de douceur et de poésie. Une box sous le signe de l'amour avec des créations exclusives qui vont vous faire craquer. Ça, c'était Adam. Avec notre jolie box de février, la tendresse sera au rendez-vous à vos câlins. Coffret, les produits seront livrés dans une magnifique boîte réutilisable. En effet. Donc, une petite carte postale illustre Milia. Donc, a priori, c'est un partenariat qu'elle a avec une marque. Peut s'utiliser aussi bien comme décoration, carte postale ou pour noter au dos les souvenirs du bébé. C'est vrai que c'est une bonne idée. Le petit doudou. Alors, la carte, elle a une valeur de 2,50 €. Le doudou, il a une valeur de 20 €. Et donc c'est une petite oie, c'est bien ce que je disais. Bienvenue dans la famille Jolie Bibi et son mimi, pardon, à notre petite oie câline. On craque pour ce joli doudou plat en forme d'oie qui devient le partenaire idéal des câlins, de bisous et de tendresse de la part de votre mimi. Bébé se sentira entouré de douceur grâce à son tissu polaire, voilà, c'est du polaire donc, enveloppant et chaleureux. Un modèle unique qui conviendra autant aux petites filles qu'aux petits garçons. Toujours utilisé sous la surveillance d'un adulte. Ça, c'est parfait. Ensuite, on a la suspension parfumée que j'ai accrochée donc à ma poignée de porte qui a un prix de vente de 10 €. Donc, c'est un quadrilode senteur pomme d'amour fabriqué à partir de cire végétale biodégradable et de fragrances provenant de la ville de Grasse à utiliser en décoration ou à suspendre, pardon, dans une penderie, un dressing ou une poignée de porte, etc. Cette suspension parfumera délicatement vos petits espaces clos. Les parfums sont garantis sans agents cancérogènes, mutagènes et réprotoxiques, je ne connais pas, et répondent aux normes IFRA. Création fabriquée à la main dans le sud de la France. Ensuite, nous avons la lingette démaquillante Wake Me Up. Donc, c'est le nom. Oui, je connais. Prix de vente, 3,18 €. Les carrés démaquillants Wake Me Up sont lavables, réutilisables, français et surtout tout doux. Dites bye bye aux déchets dans votre salle de bain. Les lingettes démaquillantes sont une alternative écologique aux disques de coton jetables qui remplissent nos poubelles. Avec notre huile démaquillante, qui est au prix de 15,68 €, découvrez dans notre box deux produits de la très belle marque Wake Me Up Paris qui repense la manière de consommer la beauté de façon naturelle, engagée et responsable en proposant une alternative à la beauté conventionnelle. On adore cette huile démaquillante 100% naturelle, composée à plus de 90% d'huile végétale française vierge, enrichie en huile d'amande douce et de rose de nos régions. Sa formule minimaliste de 7 ingrédients, son léger parfum naturel d'amande,
et sans allergène, conviendra à tous les types de peau. Elle élimine efficacement les pigments de maquillage, impuretés. Oui. Non, mais j'avais pas remarqué que deux, il y avait. D'accord. Je sais plus où j'en suis. Impuretés et particules de pollution en quelques gestes. L'huile démaquillante se transforme en lait au contact de l'eau. Ah ouais. Et se rince facilement. Elle laisse la peau douce et apporte un fini léger et non gras. Le médaillon Ensemble c'est tout. Celui-ci, prix de vente 30 euros. Magnifique décoration fleurie qui apportera une touche de douceur à votre pièce, accompagnée d'une jolie inscription qui rappelle l'importance et le bonheur des moments passés ensemble. En bois clair, cette création agrémentée d'une composition de différentes fleurs en tissu, dans des tons naturels, habillera parfaitement un des murs de votre pièce à vivre ou d'une chambre. Son crochet à l'arrière permet de l'installer très facilement. Médaillon en bois réalisé. Alors, c'est pas un crochet là pour le coup, c'est juste un petit collant, mais ça permet d'accrocher quand même. Réalisé à la main et en France. Encore une très belle collaboration imaginée avec Poésie grâce à la talentueuse Fleur d'Avril. Donc, si ça vous intéresse, la créatrice c'est Fleur d'Avril. Le porte-clés collab Joli Bibi et son mini avec Ardaya, prix de vente 8,50 €. L'amour est la clé du bonheur. On craque pour cette mignonnerie. Un porte-clés en forme de cœur en plexiglas. L'accessoire idéal pour sublimer vos clés, votre sac. Avec la jolie inscription bonheur. Une exclusivité pour la box Joli Bibi et son mini. L'eau de gourmandise, brochette de bonbons en forme de cœur. Miam, de délicieuses sucreries à déguster en famille pendant ce mois de l'amour. Voilà, donc je suis très contente. C'est vrai, vraiment peu de le dire. Parce que là, c'est vraiment moi qui ai été gâtée plus que les enfants. Puisque c'est vraiment beaucoup de... Enfin, pour le coup, ouais, y a la, c'est de la déco. C'est, tiens, tu peux aller mettre ça sur le mur des chaussures, s'il te plaît. C'est principalement de la déco et je suis trop contente, vraiment. Donc bah, je vais ranger ma deuxième boîte qui est très jolie et qui décore parfaitement bien mon intérieur, j'adore. Et puis je vais ranger tous mes petits... Alors Enza, elle a nettoyé la table, c'est encore tout collant et tout... J'aimerais bien que tu repasses un coup s'il te plaît parce que là, il reste même des miettes. Hein, pour dire comme la table est bien nettoyée. Bref, on va s'en occuper. Donc je suis très contente. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est le deuxième mois que je reçois cette box et en fait... Ben, j'avais quand même une crainte parce que c'est vrai que je paye hein, pour l'avoir, c'est un abonnement. C'est un abonnement comme vous pouvez faire les box Beautiful Box, tout ça, les maquillages, etc. Moi j'ai décidé d'avoir ça parce que je voulais que ça fasse autant plaisir à mes enfants qu'à moi et franchement c'est le cas. Donc je suis très contente. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que les gars sont très énervés, donc je vais aller les mettre au lit. Comme ça, je vais être un peu tranquille. J'ai de la couture à faire pour Anaïs. Et puis... Tu vas être couchée. Bah, je vais déjà faire la couture d'Anaïs en regardant Dynastie. J'ai du linge à plier et après, je vais aller me coucher. Ouais. Donc, je vous reprendrai demain. Donc, je vais clôturer maintenant. Je ferai le montage de ce vlog uniquement demain parce que je n'aurai pas le temps ce soir. Donc dans la journée de demain, je peux pas vous dire quand. Demain matin, je passe la matinée chez le coiffeur. Donc, elle va se couper les cheveux. Non, Anaïs va me couper les pointes parce qu'elle trouve que mes cheveux sont abîmés. Mais l'essentiel de ce que je vais faire, c'est une coloration. Enfin, c'est une coloration. Non. C'est que je vais refaire mes mèches et en fait, je vais les faire au lieu du blond, je vais avoir du cuivré. Donc j'ai rêvé de devenir rousse. Voilà. J'ai peur. Ce qui en soit n'est pas choquant puisque moi j'ai une peau de rousse. Alors je sais pas si ça se voit vraiment, mais. Non mais franchement j'ai peur. J'ai une peau de rousse quoi. J'ai la peau pleine de taches de rousseur. Donc mais j'ai peur. Bah, j'ai déjà été rousse. Ah bon? Mais oui. Tu sais que rousse c'est orange. Non mais là c'est cuivré, c'est pas. Tu verras demain. Donc bah, je vous montrerai ça demain. Tiens, ça tu peux le mettre dans la boîte à bonbons. Merci. Je vous montrerai ça demain, mais en attendant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Merci d'avoir supporté les arrière-bruits des enfants, les vacances. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, ciao.